voilà, nous sommes en train de passer la Sierra Nevada à hauteur du Mont Vitel. Il y a pas mal de cols qui sont fermés, donc on va redescendre sur Carson City. J'espère que là, il n'y aura pas autant de neige. Et alors, on passera demain la Sierra Nevada par le lac Taoué. Donc, on doit mettre les chaînes, c'est pas la merde. Voilà, chers amis, on va acheter des pompes parce que, enfin, pas des pompes, on va acheter des chaînes et on va essayer de les mettre. Ça va être une catastrophe. On n'avait pas attendu pas longtemps de neige. Il y a des murs de neige ici. Oh, c'est terrible. Donc, voilà. Les chaînes sont obligatoires, on va acheter des chaînes. Cher gentil monsieur, je crois qu'il va m'aider, j'espère en tout cas, sinon je suis mort. Regardez les murs de neige qu'il y a ici, dans Sierra Nevada. I gotta go, look at my teeth. I know, I heard about that. What did the guy say? Chepe, Tony! Regardez, on a notre ami José débarqué. Va mettre les chaînes et me montrer. Je vais filmer comme ça. Si je dois de nouveau les mettre, I'm speaking to my auditors, you know? Comme ça, si je dois de nouveau les mettre, eh bien, je vois comment il fait. Right there. Well, it's gonna be adjusted as best we can, so this is about good, right there. And then this. José nous montre toujours comment mettre les chaînes, ça est relativement simple, surtout quand on a un cric. Malheureusement, il ne peut pas me prêter son cric, c'est un peu comme ça. Make sure this hook faces out to the outside. To the outside? Yeah. Okay. Like this. Not like this. I understand. Okay. It can be quite dangerous indeed. Exactly. And the same it's here. No, we can just okay, go like this. Okay. That. And this one. But if you don't have the elevator, what do you do then? You drive a little bit in advance, so yeah.